Bon les amis, ça fait un petit moment quand même qu'on est ensemble, là, que cette chaîne elle existe. Je pense qu'il y en a qui sont là depuis le début et qui sont toujours pas abonnés. Ou qui viennent d'arriver, qui ont pris le train en marche et qui sont toujours pas abonnés. C'est une dinguerie. Parce que... Je vais trouver une menace et je reviens, vous allez voir. C'est l'Estrada au père de qui ce soir ça? C'est une brocante? C'est la farfouille? C'est des béquilles? Ah, tu t'en sors bien, la carte handicapée, c'est mes béquilles. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel menteur, je suis tombé d'une falaise. Dans les Alpes, tu faisais quoi là-bas? Du trek? D'accord. Et tu tombes souvent des falaises? Le sol s'est enlevé sous ses pieds. En signe de respect! Je crois que c'est le gars qui fait du trek. Le sol s'est dérobé. C'est pas toi qui s'est pas sauté, c'est le sol qui... Eh hey, non! Et tu t'es fait quoi? Je me suis réveillé. Tu t'es réveillé? Oui, c'était un rêve tout ça, on est d'accord. J'ai cassé les deux chevilles. Celle-là est réparée. Mais pourquoi c'est pas en même temps les deux? Moi, j'ai deux problèmes après, j'ai une infection. Je vous ai dit, j'ai le don. Oui, en détente, vas-y, tranquille. Tu veux savoir où t'étais? Dans une falaise, je faisais du relais boulé. Où t'étais? Pourquoi t'es en retard? J'étais à un tournage. À un tournage? C'est-à-dire? Un tournage court-métrage. Oui, mais tu l'as dit comme si tout le monde allait dire: oh, c'était un tournage. C'est quoi? C'est Jurassic Park? On connaît le film ou pas? C'est quoi le nom du film, du projet? Je sais même pas le titre. Vas-y. Horloger, c'est-à-dire. Tu lui fabriques des montres? Ça, ça vient d'où cette passion? T'étais manuel? T'as vu un reportage sur les montres? Et aujourd'hui, tu fabriques des montres? Pour quelle marque? On s'en fout de toi, là, on parle de moi. C'est vraiment son moment, il faut que tu acceptes. C'est son moment, faut le laisser kiffer un peu. Moi aussi, hein, j'ai un pouvoir d'achat, oh. Qu'est-ce que tu fais chez Cartier, toi? T'es pas horlogère? Non, mais je suis T'es chez qui? Chez qui? Chez qui? Chez Swatch? Et chez Swatch, elle a dit c'est un peu moins que Cartier, Swatch. C'est le Lidl des quartiers, ça je le vois. Swatch, elle a dit c'est un peu moins. C'est pas un peu moins, c'est une flaque d'eau. Ouf, ça a dégainé très très vite, le petit couple là. Vas-y. Urgentiste pédiatrique. Oh. Tu veux la même chose? Urgentiste adulte. Ça s'est dans le cadre du travail. Qui a été le premier par là l'autre? C'est moi. Ça va, être pas trop dieu. Waouh! C'est une putain de balle en plus! C'est gentil! Donc il n'y a pas tant d'urgence que ça, je veux dire, vous avez le temps de discuter au taf et tout. Quoi? Oh, oh, oh. Parle d'esclavage plutôt, ça c'est marrant. Oui, un gilet jaune. Mais... Comment t'as été la bande? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu te rappelles? Vas-y. Il te rappelle, oh, il est très content, il le rappelle régulièrement. Vas-y. J'étais un cran au-dessus. T'étais un cran au-dessus? Attends, on parle de quoi là? Moi je parle de avant que tu sois justement un cran au-dessus. Tu lui as proposé de t'accompagner, de voir une patiente grave. C'est l'équipe, c'est un date chez les urgentistes. Eh, viens, il y a un connard, il a fait des roulés-boulés, viens, je te montre. Enfin, il y a un téléphone qui sonne. C'est toi? C'est ta pilule? C'est ta pilule, hein? Il n'est pas au courant. T'as quoi? Dis-moi la vérité. Et crois qu'elle ne voit plus. Bon, alors là, c'est bon. Il ne voit pas et je ne le vois pas. Mademoiselle! Mais... Il y a plein... Mademoiselle! Allô? C'est quoi ton prénom? Mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Elle a mis l'autre main au cas où la première, elle a caché pas assez. C'est fou de faire ça! À côté, le jeune homme, c'est quoi ton prénom? Jean-Baptiste, c'est qui pour toi, elle?
pardon, PQR. Irmine. Irmine, elle a juste fait ça. Vous êtes ensemble, du coup, Jean-Baptiste? C'est ça? Depuis combien de temps? 21 ans? Mais elle a 22 ans, on dirait. Irmine, reste avec moi. C'était quoi le téléphone? C'était la pilule ou pas? Je veux savoir si j'ai raison. C'est ça? Mais c'est fou de faire ça! Irmine! Irmine, c'est la pilule ou pas? Oui, merci! Non. Dans la salle ce soir? Oui. Pourquoi Eric fait oui, oui, je crois qu'il y en a plein. Cécile, célibataire depuis combien de temps? 4 mois. Quel âge tu as? 22. Où est-ce que tu habites? Toulouse. Ok. Bah ouais, mais du coup, ouais, si t'es à Toulouse, c'est rapport. Bah rassiez-vous, désolé les gars, ça me fait pas. Bah oui, bah je tente des trucs. Y'a pas d'handicapé, y'a pas de célibataire. Est-ce qu'il y a des séropositifs? Comment ça se fait que t'es venu seul? On doit faire une place? Quelle famille de crabe ça? Tiens, amuse-toi bien. Wow, je vais y aller avec moi-même. Le deuxième cadeau, c'était un parfum Scorpio. Ah, il y avait 2 places, mais l'autre n'a pas pu venir. C'est qui l'autre? Un pote de moi, pourquoi elle va pas pu venir? On peut l'appeler, ce connard, hein? Ah, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? En réunion de famille? Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Donne-moi ton téléphone. Il s'appelle comment? Luc. Il a quel âge? Salut Luc. Ouais. Toi, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? T'es où? Tu fais quoi là? Allez, gros, c'est pas drôle, gros. C'est mon métier! Comment ça, c'est pas drôle? Il est fou, lui! Comment c'est pas drôle? Il a raccroché. Appelle-moi ce connard. En FaceTime? Appelle-le en FaceTime. Je vais lui briser sa vie. Je vais appeler sa mère, je vais me faire passer pour la main. Du père. Son nom c'est Yesai. Luc Yesai. Son nom de scène. Regarde-moi. Wesh! Pourquoi t'es pas là, Luc? Ah, je fais de fou bien! Attends, comment il va Noé aussi là? C'est pas que ça vient! C'est pas une réunion de famille, t'es en train de fumer du shit avec des mecs en bas chez toi! Ah non, jamais, gros! Jamais, gros! Mais tu fais t'enculer, toi, ça va pas ou pas? Ouais, non, gros! T'as planté Noé ce soir! T'as planté Noé! Il est venu seul! Non, t'aimais bien il y a 2 secondes. T'es en bas de quoi? On n'a pas un keuf, faut mettre des stupes. Hein. On va t'envoyer un gars vite fait. Bon, la prochaine fois, tu laisses pas Noé en galère. On va te trouver quelqu'un, Noé. Est-ce que... Toi, une meuf de 22 ans, t'aimes bien, toi? Vas-y. Quoi, quoi, Lucia? Les locaux de fabrication de... La fusée Ariane! Et tu le dis pas? Attends, c'est qui avait levé la main pour mieux? Ah, quelqu'un. Hermine! Attends, Hermine, dis pas la question. Sois-toi. Vas-y, dis-moi, tu peux la mettre où? Au Bénin. Merci, Hermine, c'est un plaisir de...